Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. La casuistique, c'est l'art de faire agir les autres comme je ne le ferai point. Le philosophe Saint-Augustin disait, je cite, « La casuistique est l'art de faire agir les autres comme je ne le ferai point. » Fin de citation. Cette assertion sied parfaitement au champ narratif qui voudrait situer l'intellectuel africain en général, camerounais en particulier. L'intellectuel camerounais, pour qui ne le connaît pas, est déroutant, très déroutant. Comportement parfois pédant, souvent calculateur et égoïste à la fin. Je sais que vous vous demandez déjà où est-ce que je vais en venir. Donnez-moi 2 secondes. Je vous explique. Il ne sera ni le premier ni le dernier à privilégier un déploiement digestif intéressé, allant jusqu'à renier tout ce qu'il a construit comme philosophie intellectuelle personnelle. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. La question échappe à peine des lèvres qui ont du mal à l'intégrer, du mal à intégrer le fait que l'historien Achille Bembe soit comme les autres, voire pire, comme les autres intellectuels, surtout camerounais. C'est-à-dire qu'on a beau faire semblant d'aider les autres, mais à la fin, on se préfère. Achille Bembe est né le 27 juillet 1957 au Cameroun, il y a 5 ou 10 ans, si l'on vous avait dit qu'Achille Bembe rejoindrait un jour vos bourreaux d'hier, vos manipulateurs d'aujourd'hui et peut-être vos exterminateurs de demain, je parie que le mécréant aurait risqué la lapidation. Il ne se passait pas. Du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev Bidjoka. Sismondi Barlev Bidjoka. L'édito. Madame, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. La casuistique, c'est l'art de faire agir les autres comme je ne le ferai point. Le philosophe Saint-Augustin disait, je cite, la casuistique est l'art de faire agir les autres comme je ne le ferai point. Fin de citation. Cette assertion sied parfaitement au champ narratif qui voudrait situer l'intellectuel africain en général, camerounais en particulier. L'intellectuel camerounais, pour qui ne le connaît pas, est déroutant. Très déroutant. Comportement parfois pédant, souvent calculateur et égoïste à la fin. Je sais que vous vous demandez déjà où est-ce que je vais en venir. Donnez-moi 2 secondes. Je vous explique. Il ne sera ni le premier ni le dernier à privilégier un déploiement digestif intéressé, allant jusqu'à renier tout ce qu'il a construit comme philosophie intellectuelle personnelle. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. La question échappe à peine des lèvres qui ont du mal à l'intégrer, du mal à intégrer le fait que l'historien Achille Bembe soit comme les autres, voire pire, comme les autres intellectuels, surtout camerounais. C'est-à-dire qu'on a beau faire semblant d'aider les autres, mais à la fin, on se préfère. Achille Bembe est né le 27 juillet 1957 au Cameroun, il y a 5 ou 10 ans, si l'on vous avait dit qu'Achille Bembe rejoindrait un jour vos bourreaux d'hier, vos manipulateurs d'aujourd'hui et peut-être vos exterminateurs de demain, je parie que le mécréant aurait risqué la lapidation. Il ne se passait pas une semaine sans qu'on ne retrouve traînant sur les réseaux sociaux une nouvelle page de l'histoire finalement très personnelle d'Achille Bembe. Le simple fait d'imaginer que cet intellectuel aurait pu se rallier à la France pour jouir aussi d'une poignée de dollars de la France-Afrique, francophonie, ne sonne pas vrai. Ne sonne pas vrai. Non. J'ai pourtant vu des étudiants de la faculté d'histoire de l'université pleurer des larmes de sang en apprenant que l'homme qui avait pour centre d'intérêt la politique, les sciences sociales, l'anthropologie et l'histoire
avait accepté la proposition de l'Élysée pour être l'architecte du sommet France-Afrique, ou si vous voulez, Afrique-France de Montpellier en 2021. Théoricien du post-colonialisme, Achille Bembe, qui était l'un des intellectuels les plus en vue d'Afrique, d'Afrique francophone, a accepté la tâche controversée de technicien de surface qui devait préparer le sommet Afrique-France qui se tenait en France et auquel, pour la première fois, aucun chef d'État africain n'a été convié. L'homme a marqué l'événement d'une empreinte de la trahison. Pendant 7 mois, au nom de la France, Achille Bembe a pris son bâton de pèlerin à travers 12 pays entre mars et juillet 2021, l'année dernière, jouissant des milliers d'euros, budget illimité mis à sa disposition par l'Élysée, des hôtels de luxe 5 étoiles où il se prenait en photo pour le bonheur de Facebook, comme quoi chacun a son prix. Chacun à son prix. Voyant la déception des jeunes qui croyaient en lui, il se justifiait mollement en disant « J'ai trouvé que c'était un projet nécessaire, raisonnable et que la mission était une mission de bon sens, que l'Afrique devait pouvoir y trouver son intérêt, ce qui me semble être le cas, Achille Bembe. » En tout cas, ça fait déjà 2 ans et on cherche encore où est passé l'intérêt de l'Afrique dans cette affaire. Pourtant contempteur de la France-Afrique, réputé pour ses prises de position énergiques, l'auteur mondialement connu de brutalisme et de critique de la raison nègre a passé les 30 ans d'une carrière universitaire à cheval entre l'Afrique, l'Afrique du Sud et les États-Unis. Et à la fin, on pourrait dire tout ça pour ça, tout ça pour le ventre. D'une manière très habituelle et sans doute stratégique, Emmanuel Macron, le président français, lui a demandé d'aller sonder, mieux espionner les Africains sur les orientations à suivre pour forger, disait-il, de nouvelles relations entre la France et l'Afrique. Du vrai n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Personnalité transgressive au charisme magnétique, l'historien camerounais est présenté comme l'un des pères des études postcoloniales. Achille Bembe s'est également attaqué au cours de sa carrière à la critique du néolibéralisme et aux mécanismes de domination dans le monde contemporain. Au regard de ce qui vient d'être dit plus haut, on voit d'ici le fantôme de Ruben Omiyobe se retourner dans sa tombe. Né en 1957, je le disais tantôt, à une 60aine de kilomètres de Yaoundé, Achille Bembe passe son enfance à la ferme de son père au sein d'une famille nationaliste et chrétienne. Il vit dans sa chair l'extrême violence de la colonisation lors de la guerre d'indépendance au Cameroun de 1955 à 1962. Quand l'un de ses oncles est tué aux côtés du leader nationaliste Ruben Omiyobe, dont la dépouille est traînée à travers le village et de village en village par les forces armées françaises pour terroriser la population. C'est cet enfant qui aujourd'hui vient de rejoindre le camp des bourreaux de sa famille. En acceptant cette mission d'Emmanuel Macron, Achille Bembe, qui dénonçait il y a très peu une flagrante absence d'imagination historique du chef de l'État français, ouvre à 64 ans une nouvelle page de sa carrière, avec de nouvelles couleurs bien entendu. Mais c'est un tournant qui a suscité, suscite et suscitera encore l'incompréhension, voire l'hostilité d'un certain nombre d'intellectuels africains et une bonne partie de la jeunesse. D'ailleurs, dans une tribune au vitriol parue dans Jeune Afrique, l'écrivain camerounais Gaston Kelman fustige l'intellectuel flatté dans son orgueil de savant qui maîtrise la science du maître. Quant au Sénégalais Boubacar Boris Diop, il ironise sur une mauvaise plaisanterie évoquant un sommet choquant et pathétique. C'est une prise de guerre pour Emmanuel Macron. Un peu comme le fut en 2007, la prise de guerre de Nicolas Sarkozy, je veux parler de Claude Issiard. Il avait accepté une bonne mallette d'argent pour la fermer un peu, le temps de laisser Sarkozy faire ce qu'il avait à faire. Une bonne partie de l'opinion publique africaine voit également dans le choix d'Achille Bembe une manœuvre de l'Élysée pour redorer l'image de la France sur le continent et une prise de guerre donc pour Emmanuel Macron. La classe politique française a compris, les Africains sont des gens qui sont prêts à trahir pour très peu, pour quelques billets d'euros, pour une poignée de dollars. Ils ont compris ça chez les intellectuels africains, il suffit de leur donner un peu et ils trahiront leur peuple. Ils trahiront leur peuple. Même Achille Bembe n'a pas pu échapper à cette attraction gravitationnelle. Beaucoup de gens ont été déçus par Achille Bembe qui donne ici l'impression non seulement de trahir les intellectuels africains, mais de renier tout ce en quoi il a cru jusqu'à présent.
Quand vous évoquez tout ça, M. Achille Bembe balaye toute idée de manipulation ou de compromission et promet de vous le démontrer. Je me demande bien, qu'est-ce qu'on peut démontrer lorsqu'on a vécu des faits? Comme disait quelqu'un, dans l'histoire, les faits ne se modifient pas, les faits ne changent pas, à moins de devenir révisionniste. Achille Bembe est donc arrivé au Cameroun avec le président français, transporté dans les bagages, dans la soute à bagages, comme le nègre de service. Oui, le nègre de service. Il ne s'agit pas de récrimination ou de déni, non, il s'agit bel et bien des faits historiques. Et si quelqu'un avait encore un doute sur le retournement de veste chez Achille Bembe, eh bien cette fois, il n'y a plus de doute. Aucun doute. À l'occasion de la visite officielle de Macron, le président français au Cameroun, ce 25, 26 et 27 juillet 2022, Achille Bembe a été emporté comme un bagage dans les valises du président français, comme un faire-valoir une prise de guerre du président. Ah oui, que c'est gratifiant de voyager dans l'avion présidentiel français en grignotant des croissants au beurre. C'est encore mieux que de passer son temps devant un écran, la colère aux yeux, hurlant à Ti et à Dia, à qui veut vous entendre, que le français a massacré vos parents. Et pourtant, vous n'avez pas hésité un seul instant à coopérer avec le diable. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.